Eh bien salut à tous, alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 septembre et je suis en train de passer le rouleau. Alors je suis équipé donc à l'avant du 845 XL, toujours fidèle bien sûr, et derrière un rouleau, donc un Kivogne de 6m30, c'est un rouleau que l'on a en copropriété avec un autre agriculteur. Bien, alors cette année a été encore très sèche, nous avons eu une très grosse sécheresse cet été. Mais d'ici quelques jours, il y a des millimètres d'eau qui sont annoncés. Alors nous avons pris la décision de semer quelques prairies. Alors on a semé un total 4 hectares de prairies. Donc on va en semer encore quelques hectares. Nous avons semé 2 hectares de luzerne pure et 2 autres hectares de sainfoin avec des graminées, à savoir du régras, du dactyle et de la fétue. Alors derrière le semis, je suis en train de passer le rouleau. Alors pourquoi je fais ça? Alors tout simplement, ça va permettre d'aplanir le champ. Donc pouvoir travailler confortablement l'été prochain lors des foins, donc le champ ne sautera pas. Ça me permet aussi d'enfoncer quelques cailloux qui ont échappé à la casseuse. Alors l'intérêt du roulage, c'est aussi de renforcer le contact terre-graine. Ici, en appuyant le sol, la terre va bien être au contact de la graine et la graine va pouvoir germer facilement dès qu'il va pleuvoir. Donc là, je profite de l'occasion pour faire une petite vidéo en caméra embarquée et de régler la nouvelle caméra, à savoir une GoPro Hero 7 Black. Donc j'ai pu observer déjà quelques images et je constate que la qualité est vraiment super belle. Donc j'espère que cette caméra me fera quelques années et vous offrira un bon contenu. Allez, c'est parti, on va achever la parcelle. Quand je fais ce travail, j'ai l'habitude d'avancer à peu près à 8 km/h et à un régime moteur de 1700 tours par minute.